Bonjour, bonne matinée. Bienvenue à la deuxième semaine du Forum parlementaire des Africains. Je vais me présenter de nouveau. Je m'appelle Shannon Smith. Je suis directrice de l'engagement du prêtre du Centre africain des études stratégiques. La semaine dernière, on a parlé du rôle des parlementaires dans le secteur de la sécurité nationale. Nos deux panélistes distingués, Dr. Opolo et Dr. Bromowitz, ont parlé très clairement de l'équilibre ou du déséquilibre entre les pouvoirs différents du gouvernement et du côté législatif. On a parlé des réunions, des auditoires, des lettres en privé, des engagements privés, tout cela, on a parlé de cela. Ils ont aussi souligné deux choses, la valeur des relations entre les partis et deuxièmement, l'expertise, le pouvoir de l'expertise, le pouvoir que développe un parlementaire avec l'expérience. Monsieur Dr. Polo a parlé des rôles que peuvent jouer les législateurs et le rôle législatif pour justement le contrôle des budgets. Le Parlement peut rendre les politiques un petit peu difficiles ou bien durables. Il a dit que les parlementaires servent comme étant la voix du peuple et peuvent servir comme alerte pour des problèmes dont l'exécutif n'est pas connaissance ou ne choisit pas à connaître. Le docteur Apollo a dit que le contrôle peut se faire en suivant les lois, les règles, assurer que les lois, les processus sont bien suivis dans le secteur de la sécurité, la gestion des budgets, exercer la responsabilité législative vis-à-vis des budgets, recueillir et diffuser les renseignements pour que la branche exécutive, le pouvoir exécutif et le public même puissent savoir ce qui se passe. Développer et utiliser des canaux pour partager les préoccupations, les idées parmi les acteurs dans le secteur de la sécurité. Et puis finalement, renforcer les relations entre les collègues des pouvoirs différents du gouvernement. Voici des points à considérer. Je vous demande aussi de bien vous pencher sur le programme des cours qui est sur notre site web. Dans les lectures recommandées, il y avait un rapport en anglais et en français sur les parlementaires. Ce rapport offre un cadre très utile qui montre les critères les plus importants. A, autorité. Est-ce que le Parlement a le droit et le pouvoir de surveiller, de contrôler justement ce secteur de sécurité? Est-ce que le Parlement a les ressources nécessaires, l'effectif, accès aux renseignements et puis aussi les attitudes, numéro 3, les attitudes. Est-ce que le Parlement veut bien rendre responsables les gouvernements et le secteur de sécurité? C'est des questions que vous pouvez poser à chaque parlementaire et à chaque organe législatif à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons deux intervenants distingués qui vont nous aider à naviguer aussi le secteur de la sécurité. Nous avons Madame Aminata Kassé et Madame Kemi qui vont partager avec nous les outils importants pour promouvoir la responsabilité et combattre la corruption. Elles vont aussi nous aider à considérer, à savoir comment nous définissons la sécurité, le rôle des femmes et des jeunes dans le travail qu'entreprend le Parlement. Et c'est surtout à propos cette semaine, comme c'était la semaine internationale de la femme. Alors, Madame Aminata Kassé est directrice exécutive en Burkina Faso. Elle a travaillé depuis 2004 pour renforcer les partis politiques. Elle a travaillé avec les partis politiques pour renforcer les coalitions, mettre en place des politiques, les messages politiques, planification, pour aussi assurer le rôle des femmes, l'intégration des femmes dans toutes ces politiques. Elle a aussi travaillé dans le est assistante technique dans le programme du NDI au Burkina Faso.
Elle est elle-même ancienne membre du Parlement du Sénégal, a été élue deux fois avec un mandat local de même. Elle a été présidente du conseil au Sénégal. Elle a une maîtrise de l'université d'Is à Nanterre. Et Madame Okenyodo est directrice exécutive de l'Initiative pour l'État de droit et l'autonomisation, également connue sous le nom de Partners West Africa Nigeria. C'est une organisation non gouvernementale qui s'emploie à renforcer la participation des citoyens et améliorer la gouvernance sécuritaire au Nigeria. Elle a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de la justice et de sécuritaire au Nigeria et en Afrique de l'Ouest, et dans la gestion des ONG. Elle est très intéressée dans la responsabilisation de la police, l'engagement des citoyens dans les institutions sécuritaires, l'évolution des acteurs non étatiques pour améliorer la sécurité des citoyens et de tous, aussi bien dans le domaine du genre, dans la police, dans le secteur sécurité, dans les questions de gouvernance et dans la gestion de sécurité des élections. Elle a travaillé dans des programmes pour renforcer la responsabilité des personnes impliquées. Elle est avocate au Nigeria. Elle est membre aussi, contributeur aussi. Souvent, elle travaille pour le Centre africain ici à Washington. Et elle est aussi ancienne étudiante de la CESA ici à Washington. J'invite donc les deux panélistes maintenant d'allumer vos caméras. Nous allons bientôt tout d'abord entendre parler Madame Cassé, qui va partager de ses expériences en tant que parlementaire et en tant que praticien qui a travaillé avec les législateurs. Merci beaucoup. À vous la parole. Merci beaucoup, Shannon. Et merci beaucoup, César, de me donner l'opportunité de participer à cet échange sur le rôle des parlements, surtout dans le secteur de la sécurité. J'ai écouté la première introduction, le débat introductif, et effectivement, nous avons eu l'opportunité d'avoir vraiment toute la palette des problématiques auxquelles les parlementaires sont confrontés. Pour revenir un peu au thème qui nous habite aujourd'hui, je crois que les panélistes qui sont là, ceux qui participent, ceux qui écoutent, je n'aurai pas besoin de rappeler beaucoup de choses sur ce qu'on attend d'un Parlement, de son rôle de contrôle, son rôle législatif et le rôle qu'attendent les populations, surtout de ces Parlements, en termes de redevabilité, en termes de relais, de ce que vivent et de ce qui impacte la vie des populations de nos pays. De manière générale, tout le monde est bien d'accord que s'il y a un organe qui est vraiment légitime en termes de représentation de la population et de relais de la population, c'est bien le Parlement. Et en général, dans tous nos parlements, ils sont bien outillés en termes de procédures, en termes d'outils qu'ils peuvent utiliser pour le faire. Nous allons interroger tout à l'heure, maintenant, l'effectivité de l'utilisation de tous ces outils qui permettent aux parlementaires, en principe, de jouer leur rôle et surtout d'amener nos gouvernements à être plus redevables par rapport aux politiques qui sont menées, par rapport aux décisions qui sont prises et par rapport aux ressources qui sont introduites dans ce domaine-là. Il y a évidemment des outils que vous connaissez tous. Le vote du budget, il y a des outils qui ont un caractère plus interpellatif, un caractère d'information, d'éclaircissement et des outils qui sont plus de contrôle et de sanction à la limite. En ce qui concerne les outils qui peuvent être utilisés. Sur lequel on se penche le plus, c'est le vote du budget, parce que c'est ce qui donne aux législateurs la possibilité d'autoriser ou de ne pas autoriser le gouvernement d'aller dans un sens ou dans un autre, d'engager les ressources de l'État dans un sens ou dans un autre. C'est un moment important parce qu'il permet, surtout quand parfois il est précédé
de débat d'orientation budgétaire dans lequel les parlementaires peuvent intervenir, peuvent remettre en question ou influencer les choix du gouvernement. Quand arrive le moment du vote du budget, c'est là où on autorise. Donc, le gouvernement a la légitimité une fois que le Parlement a accepté. Il y a dans tous nos parlements, en tout cas pour beaucoup dans les pays francophones, il y a des commissions qui sont dédiées, surtout pour la défense et la sécurité. Je remarque que dans beaucoup de pays francophones, il y a une commission chargée de la défense et de la sécurité. Nous reviendrons sur la composition de cette commission, mais elle est très à même d'aller plus au fond que quand il s'agit des sessions plénières où tous les parlementaires ont la possibilité de s'exprimer. Ces commissions donc ont un rôle parce qu'on estime qu'ils ont eu l'opportunité d'aller plus au fond des questions, de discuter avec non seulement les gouvernements, mais leurs techniciens. Il y a tout ce qu'on appelle, tout ce qu'on entend par interpellation, donc les questions orales, les questions directes au gouvernement qui est censé répondre à ces questions-là. Le Parlement a la possibilité également d'utiliser les enquêtes parlementaires directement sur le terrain pour vérifier les faits en ce qui concerne l'utilisation. Il y a des possibilités qui sont offertes, pas partout et à tout moment, de participer à l'élaboration des politiques, si on sait très bien qu'il y a la séparation des pouvoirs. Mais quand un État élabore une politique générale sur la sécurité nationale, sur la défense, les parlementaires ont la possibilité également de participer à ce débat. Maintenant, tous ces outils qui permettent de questionner, qui permettent d'interpeller, qui permettent de sanctionner parfois, est-ce que dans les faits, nous arrivons à le faire de manière efficace et efficiente? Et c'est là où je reviens sur les commissions, les commissions de la défense et de la sécurité qui existent dans beaucoup de pays francophones. Ces commissions ont quelques difficultés. D'abord, les parlementaires ne me démentiront pas, très souvent, ce ne sont pas les commissions où on se précipite. Ce n'est pas le premier choix des parlementaires de choisir d'aller dans ces commissions, malheureusement. Et il y a des raisons, c'est que pendant longtemps, ces commissions ont eu de véritables difficultés à accéder à l'information, à disposer de l'information, à disposer de l'expertise, à disposer de l'expertise même des assistants parlementaires. Ils ont des difficultés parce que ces commissions, avec le renouvellement des commissions, le renouvellement des mandats, sont confrontés également, quand l'expertise existe, à une déperdition de cette expertise. Je crois également que si on regarde la situation des pays qui sont touchés par l'extrémisme violent, qui sont touchés par le terrorisme et le djihadisme, ce sont les pays où il est encore plus difficile d'accéder à l'information. Et vous connaissez tous le fameux secret d'État, la difficulté à donner des informations stratégiques de la part de l'État. Et cela atténue un peu l'expertise, cela atténue la capacité des parlementaires à intervenir dans ce domaine-là. Du point de vue de la disponibilité de l'information et de la nécessité de ne pas divulguer des informations stratégiques, des informations sensibles, dans le même temps, quand les lois de règlement arrivent, c'est-à-dire quand le gouvernement a exécuté son budget et que les lois de règlement arrivent une année après, parfois deux années après, on a connu même des situations où il y a une accumulation des lois de règlement, c'est-à-dire la loi qui permet de dire voilà comment on a dépensé et pour le valider. Quand ces lois arrivent, ou bien
les commissions ont changé entre-temps, la composition, ou bien le mandat a expiré et c'est un autre mandat. Donc, c'est très difficile finalement pour les parlementaires d'avoir une réelle efficacité en termes de vérification, en termes de suivi. Je regardais un peu dans plusieurs pays, pour ce qui concerne les questions orales directement au gouvernement, on peut regarder sur une année les questions orales qui auront été posées par les parlementaires au gouvernement et pour lesquelles les ministres sont en session. Il y a très rarement de questions liées justement aux questions de sécurité et de défense. Je ne veux pas citer le Parlement, mais regardez, d'autres questions ont la primeur simplement parce qu'il y a cette difficulté à accéder à l'information. Je crois également, et ça c'est un fait, la séparation des pouvoirs fait très souvent que les parlementaires ne sont pas assez familiers aux thématiques, non seulement du point de vue budgétaire, ça peut être le cas de beaucoup de parlementaires, mais si à cela s'ajoutent les questions de défense et de sécurité, il y a encore moins d'informations, il y a encore moins de connaissances. Je me souviens avoir organisé pour une commission parlementaire un briefing de l'état-major de l'armée pour que les parlementaires sachent exactement comment fonctionne l'armée, comment se prennent les décisions, quelles sont les problématiques qui sont traitées et de quelle manière. Donc, une bonne connaissance, si on n'a pas une bonne connaissance de ce qu'on contrôle, ce sera difficile de le contrôler. Comment contrôler les ministères de la Défense et de la Sécurité quand on n'a pas une bonne connaissance de la matière, quand on n'est pas familier? Et voilà pourquoi les parlementaires sont souvent en situation de ne pas avoir toute l'expertise nécessaire. Ce qui manque également très souvent dans beaucoup de parlements, c'est ce qui est censé les aider, les appuyer techniquement dans leur travail. Je vois des parlements où il y a à la limite un assistant parlementaire ou deux assistants parlementaires qui ne sont pas nécessairement du domaine et qui doivent appuyer techniquement les parlementaires dans toutes les étapes de leur travail de contrôle, dans leur travail de législation. Et ça, c'est un aspect sur lequel on n'insiste pas assez. C'est cette expertise qui est censée être l'administration de l'Assemblée, cette assistance manque souvent de durabilité et cela constitue un frein pour le travail des parlementaires. J'aurais pu insister sur d'autres aspects, mais je crois que un des panélistes de la session introductive avait bien insisté sur la nécessité pour les parlementaires de créer eux-mêmes les conditions, une fois qu'ils sont dans cette commission, par exemple. C'est la collaboration formelle ou informelle qui peut exister entre les experts de ce domaine et les ministères, tout en respectant la séparation des pouvoirs. Donc, cette collaboration est nécessaire pour bien être informé, pour bien savoir comment fonctionnent les choses et pouvoir contrôler à bon escient. Nous avons, quand je parlais tout à l'heure de l'expertise, il y a des parlements où on a établi, en tout cas pour des commissions comme celle-là, parce qu'elle a vraiment une particularité, un document d'orientation qui permet au moins pour les députés qui s'inscrivent dans cette commission de la défense et de la sécurité puissent avoir un minimum d'informations de base technique avant de commencer leur mandat. Ça, c'est une des manières de renforcer les parlements pour qu'ils soient plus efficaces. Il y a des formations qui sont nécessaires. Malheureusement, ces formations, la plupart du temps, sont le fait des partenaires. Il n'y a pas assez de formations ciblées pour les parlementaires sur le travail des commissions dans lesquelles ils sont inscrits. Pour des domaines comme l'éducation, la santé, un certain nombre de domaines, le parlementaire est plus à même d'aller chercher directement son information. Mais là où ça pose vraiment
un problème. Là où c'est un handicap, c'est quand il s'agit de commissions aussi spécialisées et devant des gouvernements qui ne sont malheureusement pas très ouvertes en matière de partage de l'information pour ce qui concerne la défense et la sécurité. Shannon, je ne voudrais pas, je voudrais laisser, je ne voudrais pas intervenir plus longtemps, mais laisser peut-être les panélistes, les participants poser des questions plus précises. Je n'ai pas encore insisté, mais je crois que Kémy le fera, sur la nécessité de prendre en compte le genre. Mais la prise en compte du genre s'inscrit dans une approche globale. On peut l'inscrire dans une approche globale qui veut que les parlementaires sont là pour relayer, pour prendre en compte, pour influencer et faire en sorte que, qu'il y ait une inclusion de toutes les catégories. Et les femmes, les jeunes, les catégories vulnérables, si on ne les prend pas en compte pour voir de quelle manière les politiques de défense et de sécurité impactent leur vie et qu'est-ce qu'il faudrait faire, on aura raté beaucoup de choses. Et il y a des possibilités de le faire, on pourra en reparler. Merci beaucoup, Shannon. Thank you so much. Merci beaucoup pour un excellent démarrage de notre conversation. Avant de ne passer à donner la parole à Kémy, je vais suivre un petit peu ce que vous avez dit. Vous avez parlé de la difficulté de servir sur les commissions de la défense, les comités de la défense. Et puis aussi les questions problématiques, difficiles, la difficulté d'avoir les renseignements dans ces questions délicates de la défense. Alors, je pense que c'est encore plus difficile de faire le contrôle si on n'a pas eu une expérience militaire. Est-ce que vous pouvez vous parler, nous dire comment un membre peut renforcer ses connaissances justement dans ces domaines de la sécurité et de la défense? Je crois qu'il y a, j'espère que le micro est ouvert, voilà. Je pense que, je rappelais tout à l'heure le premier panel où on rappelait qu'il fallait que les parlementaires non seulement accèdent à l'information s'ils veulent et connaissent bien les différents ministères s'ils veulent assurer le contrôle. Il y a cette collaboration. Je me souviens qu'on a organisé une des premières visites d'une commission de la défense et de sécurité au niveau d'une caserne, d'une zone militaire. C'était la première fois. Je me souviens également d'avoir organisé un briefing, de l'état-major devant la commission parlementaire. Je crois avoir également indiqué que cette collaboration, elle peut être formelle ou non formelle. Accéder aux spécialistes, aux fonctionnaires qui n'ont souvent, et le panéliste le disait, on n'a pas besoin d'avoir une interrogation agressive, une interpellation agressive, mais créer les conditions pour avoir les bonnes informations. Malheureusement, il y a eu pendant trop longtemps cette barrière entre l'exécutif, en tout cas pour ce qui concerne les ministères de la Défense et de la Sécurité, et les parlementaires, de la même manière entre la société civile et les parlementaires. Cette méfiance fait que les informations sont difficilement accessibles. Mais il est tout à fait possible, en insistant également pour que les partenaires techniques et financiers, comme on les appelle en général, incluent également les parlementaires quand ils signent des programmes, quand ils adoptent des programmes d'appui au pays, en général sur des questions de sécurité et de défense. Les parlementaires sont rarement inclus et c'est uniquement quand il faut maintenant autoriser, ratifier, c'est à ce moment-là qu'ils sont impliqués. Donc, c'est vraiment une question d'ouverture, une question de rassurer qu'il ne s'agit pas de mettre l'information sensible et stratégique dehors, qu'il s'agit sur la place publique,
mais qu'il s'agit de voir comment on peut mieux prendre en compte les préoccupations de la population en matière de sécurité et de défense, plutôt que d'agresser, plutôt que d'interpeller de manière très agressive, parce que c'est comme ça qu'ils sont très méfiants aussi, mais il faut briser la glace. Et si la glace n'est pas brisée, on aura beaucoup de difficultés, surtout dans des pays qui sont dans des situations difficiles où il y a l'insécurité, où il y a de véritables problèmes de sécurité. Thank you. Merci beaucoup. C'est une très bonne. Ça va être une jolie passerelle pour donner la parole à Kémy, qui justement fait le lien entre les populations, les citoyens et les gouvernements sur des questions sensibles. À vous la parole, Kémy. Merci, Aminata, pour rendre ma tâche plus facile et pour bien préparer le terrain pour ma présentation. Je vais me pencher à savoir comment les parlementariens peuvent s'engager justement sur ces questions. Et les points que vous avez soulevés, un des domaines que j'aimerais surligner, c'est sur de créer les lois. Une des responsabilités des parlementaires, c'est justement de rédiger, de passer des lois. Il faut nous pencher sur les lois qui existent. On va voir les lacunes, ou bien avec la police ou la gendarmerie dans le secteur de l'environnement, de la sécurité politique, et voir si ces lois doivent être révisées. On vient d'adopter une loi sur la police au Nigeria depuis, et ça nous a pris 10-15 ans avant de l'adopter. Et en fonction des parlementaires, ça a été passé en revue, et les parties prenantes ont organisé des réunions, il y a eu des audiences publiques, et on a eu 3 ou 4 audiences publiques sur cette loi sur la police avant que les choses furent finalisées et que les choses furent adoptées par l'Assemblée nationale et envoyées pour le président pour que ce soit entériné en août 2020. Une autre chose liée à la promulgation des lois, c'est de voir les traités, les conventions internationales auxquelles on adhère, voire on peut les domestiquer en quelque sorte dans le pays, le système qu'on a au Nigeria. Il n'y a pas cette mise en œuvre. Il faut que ce soit domestiqué au sein du pays. J'ai eu des discussions avec certains collègues avec lesquels je travaille au sein du Parlement. Et une chose qu'ils soulèvent, c'est quand certains de ces traités internationaux, de ces lois, de ces conventions, avant qu'on ne les signe, il n'y a pas de participation parlementaire. Aucun membre du Parlement ne siège à ces commissions qui discutent de cela à haut niveau. Donc parfois, quand ça revient chez nous, c'est difficile d'avoir cette appropriation intérieure parce qu'il y a d'autres intérêts qui interviennent au niveau national. Et ensuite, on se penche sur les parlementaires qui approuvent de certains portefeuilles, ils doivent avaliser certains portefeuilles et c'est là qu'ils peuvent organiser, exercer leur influence et leur pouvoir, leur autorité. Vous avez parlé de budget, il y a des audiences sur les questions politiques, des choses d'intérêt national, des domaines clés où l'on peut faire en sorte on demande des comptes à la police, à la gendarmerie. Un bon exemple sera la situation dans le nord-est du Nigeria. Il y a une série d'interventions du Parlement d'inviter des chefs de village, de police et sur ces problématiques nationales pour avoir les perspectives de ces derniers sur ces problématiques. Et c'est également parce que le Parlement, essentiellement, on peut dire,
le pouvoir qui représente vraiment les citoyens, c'est nous, parce qu'on est redevable à nos administrés et d'autres districts sénatoriaux et différentes parties géopolitiques. Ils se réunissent et ce n'est pas une question de soit ceci, soit cela. Ils représentent leur population au sein du Parlement. Lorsqu'on se penche sur ces différents éléments et comment ils peuvent définir leur rôle au sein de l'espace intérieur national, ce qui vient très souvent en tête, ce sont les allocations. Quand il y a ces affectations budgétaires, il y a des audiences pour la défense. La question que l'on pose, comment ce processus de la défense évolue-t-il ? Nous avons une stratégie de défense nationale au Nigeria et ça doit être une feuille de route où, là où on doit être, se trouver dans 2 ans, où la stratégie doit être mise en œuvre. Est-ce que le Parlement connaît la stratégie afin qu'elle l'utilise, afin d'interroger, de s'entretenir avec des membres de l'exécutif qui réunissent les questions budgétaires, voir si le budget répond aux besoins nationaux et aux objectifs dans les années pertinentes. Y a-t-il un processus de mise en œuvre du budget, d'exécution du budget, de voir comment les budgets ont été exécutés? Certaines personnes rétorqueraient quand on en parle. Il y a d'autres acteurs que les affectations, c'est différent. Quand vous affectez, quand vous approuvez ces affectations, qu'est-ce qui est divulgué à telle et telle structure de l'État et comment font-ils usage de l'affectation qui a été débloquée? Et là, je pense que c'est un rôle que le Parlement peut jouer de façon efficace parce que c'est un pont, une passerelle entre l'exécutif et la population. Pour le citoyen lambda, ce qu'il veut, c'est des résultats, les dividendes de la démocratie, comment ceci a une incidence pour notre quotidien. Et quand il s'agit d'établir des mécanismes, d'avoir le point de vue des citoyens, est-ce que c'est en place? Y a-t-il des mécanismes, des outils au sein de leur circonscription de base qui permettent aux membres de donner un retour d'information sur certaines problématiques? Parce que je parle de la sécurité, on parle de la police, sur les défis, outre ce qu'ils entendent, ce qu'ils lisent dans les journaux, ce qu'ils disent, qu'ils voient en plénière, ou ce qu'ils regardent à la télévision. Y a-t-il des réunions municipales? Et quand on ne parle pas à ces administrés, je vois les membres du parti, et là vous allez au-delà. Vous représentez toute la population, pas simplement votre parti politique. Est-ce que vous tendez les mains aux femmes, aux jeunes, d'une façon structurée, positive, afin de s'atteler aux problématiques, afin d'amplifier certaines de ces problématiques au niveau national, soit au niveau de l'État fédéré ou de l'État fédéral? Et là où le parlementaire a été élu pour faire un certain travail, nous avons des commissions spécialisées sur les affaires policières, sur les audiences publiques, les pétitions qui se penchent sur ces problématiques. Et je me demandais si ce n'est pas un domaine qui vous intéresse, voir comment on peut donc avoir une approche transversale d'une commission à une autre. Si je parle de nouveau des problématiques policières, c'est transversal, ça peut avoir une incidence sur les affaires féminines, ça peut avoir une incidence sur les femmes qui sont visées, ou alors le recrutement. Quand on parle de recrutement au sein de la police, on présume que ce sont les jeunes qui s'intéressent à adhérer, pas par des gens de 40, 50 ans. Alors, la commission des jeunes
doit s'intéresser à épurer les mécanismes de recrutement, le processus, tant et si bien que vous avez davantage de gens, de jeunes qui s'intéressent, qui veulent donc s'engager dans la police, et où quels sont les intérêts de gens qui sont déjà sur place, qu'est-ce qu'ils obtiennent en matière de travail, est-ce que l'environnement de travail est propice et leur permet de faire de leur mieux. Voilà pour la raison pour laquelle ils sont payés par l'État. Et j'aimerais mentionner une commission qui existe au Nigeria, c'est une commission des femmes au Parlement. C'est une commission de toutes les femmes du Parlement et il y a une présidente et il faut que cette commission tende la main sur toutes les problématiques. Elle devrait s'intéresser à tout ce qui a trait aux femmes au sein de l'appareil sécuritaire, tout ce qui a trait aux femmes qui saisies par le Parlement et voir ce à quoi elles font face en tant que parlementaires au sein du Parlement. Nous insistons une règle importante parlementaire comme étant une césure entre le public, un fossé et l'exécutif. Il y a cette partie de l'État qui est censée être une passerelle. J'aimerais insister le cadre permettant de sensibiliser le citoyen, j'en ai déjà parlé, il faut voir la base des administrés. Il y a cette redevabilité par rapport à sa base, mais il serait bon de connaître la démographie de ces administrés. Ce n'est pas une taille qui correspond à tout le monde. Il faut adapter. Il y a peut-être des acteurs religieux. Et avec les jeunes, c'est également différent. On sait que les jeunes représentent 65 à 70% de la population. Donc, c'est très important qu'ils soient sensibilisés. Et quand on parle des jeunes, ce n'est pas simplement les hommes, mais il y a les jeunes femmes également. Il y a des personnes handicapées également dans ce regroupement. Comment les parlementaires se penchent-ils, exposent-ils les problématiques? Et quand on voit le budget, c'est un des domaines clés, un des outils clés de redevabilité, comment se penche-t-on sur le budget avec ces différents plans? Ces budgets sont-ils isolés ou est-ce qu'y a-t-il un plan annuel qui répond aux besoins de l'organisation, que ce soit la police, la gendarmerie, l'armée? Et y a-t-il des bornes, des benchmarks, des cibles en matière d'évaluation? On a parlé des audiences publiques, comment on peut faire usage de ces audiences, de dialogue. Je parle également de l'engagement avec les organisations de la société. Je sais pertinemment qu'à un moment donné, un des conseillers nationaux, autrefois, il y avait une réunion régulière entre le NSA et les organisations de la société civile. Ça nous a permis de faire la chose suivante, de parler de nos problématiques et d'avoir une réponse directe de la NSA. Et il avait l'occasion de donner un retour d'information sur la position du gouvernement et pourquoi certaines actions étaient entreprises. Ça crée un climat de confiance et un besoin de ce qu'on appelle l'engagement constructif. On n'est pas obligé de manifester à tout bout de champ. Ça nous permet d'identifier quels sont les dirigeants stratégiques clés d'un certain espace et comment leur tendre la main. Ils ont la prérogative donc de tendre la main à leur tour dans leur propre communauté. Et enfin, je me pencherai sur les outils pour combattre la corruption. On va
parler d'emblée du budget, mais je me demande si on fait bon usage du budget. Il y a quelques années de cela, c'était un passage en revue d'un des ministères de tutelle de la police au Nigeria. Et j'étais curieuse parce que je m'étais demandé, un ordinateur est composé d'un... Il y a le clavier, l'écran, etc. C'est ça un ordinateur. Et quand vous avez 50 claviers séparés, par exemple, 50 écrans, mais séparés, 50 unités séparées. Mais qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur? Un ordinateur est-il divisé en différentes pièces ou l'ordinateur vient-il en un seul morceau? Pour vous donner un exemple de la précision, oui, vous avez un mandat de 4 ans, vous risquez de ne pas être réélu, c'est possible, mais au cours de ces 4 premières années, est-ce que vous comparez le budget d'une année à l'autre afin d'évaluer la performance? Est-ce que vous posez des questions voyant le même budget afin de déterminer comment la progression évolue ou y a-t-il un retour en arrière? Par ailleurs, quand on agit de cette manière, il est possible, il est plus vraisemblable que vous réduisez les opportunités de corruption. Et pour ceux qui siègent aux commissions techniques, commissions spécialisées, la défense, etc., il faut donc avoir des bases solides et de bien comprendre le secteur que vous chapeautez pour que les gens ne reviennent pas et disent « oui, non, vous n'êtes pas militaire vous-même, vous n'êtes pas policier, donc vous ne comprenez pas de quoi nous parlons ». Ça freine les parlementaires, mais il y a des créneaux, il y a des formations, il y a des ressources. Beaucoup de travail a été fait pour documenter cette supervision, comment on peut tendre la main aux militaires, aux agences de sécurité, et on peut leur poser question sur question pour s'emparer de certaines de ces ressources. Et vous ne voulez pas être une des nombreuses structures qui fait le travail habituel, ceci établirait un processus de transparence et assurer une supervision robuste. Je conclurai sur les conflits d'intérêts. Et pour ces conflits d'intérêts, je dirais que ce n'est pas possible de superviser de façon efficace quand vous êtes sous-traitant, consultant, vacataire, par rapport à ce que vous devez superviser. Et ça érode le niveau d'indépendance et d'avoir une position de ferme et de poser aux questions épineuses qui souvent ne sont pas plaisantes à poser, mais qui doivent être posées et qui requièrent une réponse. Merci. Merci à toutes les deux pour d'avoir donc discuté de ces problématiques. On a entendu le rôle des parlements d'attendre la main à la service sécuritaire, mais à la société civile qui peut devenir une ressource à son tour. Compte tenu de la semaine, il est très important de parler du groupe parlementaire féminin, du caucus féminin et des ressources. Vous parlez de cette approche transversale d'une commission à l'autre, d'avoir un cadre d'engagement avec les citoyens, de participation.